Carles Puigdemont n'a pas dit son dernier mot. Celui qui brigue la présidence de la Catalogne depuis son exil belge tente toujours de retourner en Espagne légalement. Pour cela, selon des membres de son parti, il attend que la Cour constitutionnelle de Madrid lui donne l'autorisation de reposer le pied sur le territoire national et ainsi de pouvoir prendre part au débat d'investiture. Samedi, la même juridiction avait déjà estimé que s'il voulait occuper la fonction, il devait se rendre physiquement à Barcelone. Un discours via Skype ou prononcé par un autre parlementaire n'étant pas légal. Pour l'instant, le gouvernement espagnol considère que l'ancien président est un fugitif. Il pourrait ainsi être arrêté en cas de retour en Espagne. Carles Puigdemont est le seul candidat au poste de président de la Catalogne depuis qu'il a été choisi par les trois principaux partis indépendantistes, victorieux des dernières élections de décembre. Pour l'instant, la situation semble donc complètement bloquée. Impossible de donner une tête à l'exécutif. Ces dernières heures, certaines voix indépendantistes se sont fait entendre pour qu'une autre candidature soit proposée.